Pour commencer, je les remercie de leur vote. Ça fait toujours plaisir de recevoir une récompense et voilà. Et pour commencer aussi, je leur souhaite une bonne année et plein de bonheur et la santé avant tout. Après voilà, ça reste un trophée que je n'aurais pas eu sans l'aide des coéquipiers. Et aujourd'hui, je l'ai, tant mieux. C'est deux personnages assez différents. Coach Darzakaran, c'est celui-là qui m'a lancé à ce niveau-là. Et aujourd'hui, avec Coach Brouard, j'apprends énormément voilà, sur quelques domaines. Et voilà, aujourd'hui, ça se passe bien. Et voilà, c'est de bon augure pour l'avenir. Il faut s'appuyer sur tout ça. Je pense que j'ai donné le maximum pour l'équipe. Essayer d'être le plus performant possible. Après, je sais que j'ai beaucoup de choses à travailler encore. Dans beaucoup de domaines et je m'y tâche tous les jours à l'entraînement pour que le vendredi je sois encore plus performant. Sur le plan collectif, on a eu un début de saison assez difficile. On sait pourquoi, c'est avec tous les changements qui ont été faits à l'intersaison. Et on a toujours eu confiance au discours du coach et en nous-mêmes. On a su rectifier le tir à un certain moment dans la saison. Après voilà, on a mal terminé l'année. Avec cette défaite contre Auxerre à domicile. Et voilà, pour la deuxième partie de saison, on sait ce qu'il nous reste à faire et s'appuyer sur ce qu'on sait faire de bien. Et voilà, la clé de la réussite, on la connaît, et c'est à nous de le faire et ça ira bien. Les sollicitations, je les ai vues et voilà, c'est la période du mercato, c'est une période assez particulière. Voilà, moi, je reste concentré sur ce que je sais faire de bien. Aujourd'hui, je me prends pas la tête avec tout ce qui se raconte et toutes les sollicitations. Voilà, je fais mon travail et je suis à 100% à Clermont. Et il se passera ce qui se passera dans le futur. On verra bien. On sait que le passage en Ligue 1, c'est. Ouais, je vais pas te brûler les étapes, mais j'ai une préférence pour rester en France et continuer ma progression. Après voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Et voilà, on verra bien.